C'est clapé, silence. Ok. On respire. Silence. C'est bon pour toi, Tom. Benny. Et attention. 3, 2, 1, action. Space Boy raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jim, qui vit avec son père. Et son père doit aller dans l'espace. C'est un astrophysicien qui doit faire partie d'une mission. Malheureusement, comme il a perdu sa femme, il a décidé d'abandonner cette mission, ce que le fils ne sait pas. Et quand il va le découvrir, évidemment, ça va plutôt le mettre en pétard, en colère, et va provoquer chez lui cette envie irrésistible, quelque part, de remplacer un peu le père, de lui prouver qu'il a tort d'abandonner son rêve. Et donc, il va se mettre à construire, ben voilà, cette montgolfière dans le cadre d'un concours scientifique, avec l'aide de Emma. Ils sont obligés d'être ensemble parce qu'on les a un peu mariés à l'école. Et à travers toute l'histoire, à travers tout ce que vont vivre Jim et Emma pour construire ce ballon, avec cette quête du concours scientifique, en fait, Jim va se rendre compte petit à petit que oui, on doit poursuivre ses rêves, mais avec une nuance de taille, c'est qu'on ne peut pas nécessairement les poursuivre quand ça met les gens qu'on aime ou qui nous aiment en porte-à-faux ou en difficulté. Cut, c'est bien les amis, c'est bien. J'aimerais bien juste qu'on la double une fois, leur projet. Et sinon, à part ça, les gars, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai été séduit par le scénario qui, effectivement, est... Et d'abord très bien ficelé, avec des beaux personnages, avec une belle intrigue. Et puis c'est la rencontre avec Olivier et Eusebio, le co-scénariste, pour les essais, qui y a une alchimie et une envie de collaborer, et des idées qui nous ont qui je crois que nous ont donné à tous les trois l'envie de continuer. Ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a pris au trip, il n'y a pas d'autre mot, et il y a plein d'émotions, il y a plein d'images de notre enfance finalement. Olivier, il est très sur Goumise et tout cet univers-là, et j'ai vraiment adoré, je l'ai relu après, et chaque fois je me mettais à pleurer, et le rôle de Christina qui est quand même très sophistiquée et tout, c'était super, enfin j'adore, je suis ravie. Moi, j'ai vraiment grandi entre effectivement l'écran témoin, mais avec la folle journée de Ferris Bueller, avec Stand By Me, Indiana Jones. C'est tous des films qui ont marqué mon enfance, qui ont marqué mon œil aussi d'acteur et de réalisateur. Et je renie pas ça du tout. C'est vraiment, j'aime l'éclectisme. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de Spielberg dans ce film, voilà, dans l'écriture, dans la réalisation. Et je pense que c'est un beau modèle. Je me rappelle, on était dans le jardin d'Eusebio, le co-scénariste, et je suis arrivé avec tous mes projets. Je dis, ok, maintenant, on doit y aller. Qu'est-ce qu'on prend? Et donc, je suis arrivé avec plein d'idées. Et donc, avec Eusebio, on a passé tout en revue. Et puis, effectivement, on est tombé sur ce projet qui s'appelait pas du tout Space Boy à l'époque. Et puis après, c'est vrai que ça a pris pas mal de temps. Mais je pense que dans l'écriture, il faut vraiment se donner le temps. Je pense que c'est aussi lié à sa vie. C'est-à-dire que sur les 8 dernières années, on va dire que sur l'écriture de Space Boy, ben, je vais commencer sans être père. Je suis devenu père d'un petit garçon, puis père d'un deuxième petit garçon. Je me suis marié, il s'est passé aussi plein de choses. Et la thématique du film m'est apparue grâce notamment à la présence de mes enfants. Donc je ne suis pas certain que si le film on l'avait tourné il y a 8 ans, avant que je sois père, on aurait fait la même chose. Je suis convaincu qu'on n'aurait pas du tout fait, qu'on n'aurait pas du tout fait pareil. Ça va ? Oui. Ce qui détermine Graham en tort d'être astrophysicien et il va partir sur la Lune, mais finalement c'est, même si c'est pas une anecdote pour l'histoire et pour le fils Jim, mais ce qui est vraiment important c'est le rapport qu'il a avec Jim, Basile, qui est le personnage principal. Je trouvais ça sympathique que ce soit un enfant qui me ressemble un peu, un enfant toujours qui cherche des solutions. Moi c'est ce que je fais, on a toujours la... Moi et Jim, on a la connexion de chaque fois trouver des idées ou des choses comme ça. Il y a une bonne alchimie. Je sens que c'est quelqu'un de curieux. Déjà, la première fois que je l'ai rencontré, il avait des questions pertinentes sur le jeu, sur comment jouer, ce qu'il a vu, ce qu'il a à faire, sur ce qui est difficile, pas difficile pour lui.
Et donc, dès les premières séquences qu'on a eues ensemble, on se dit, tiens, on pourrait faire ceci, cela, enfin, voilà, comme des partenaires de jeu. Je me dis que vraiment, je trouve ça vraiment amusant à faire. C'est pas du tout... Moi, je trouve ça pas spécialement dur. Le plus dur, c'est de se concentrer, mais je trouve ça pas spécialement dur et moi, j'aime bien faire ça. Donc, j'ai envie de continuer là-dedans, ouais. Un slider en place. On va pouvoir faire venir une caméra, les amis. Le début, exactement. C'est pour ça que je garderai le début de la deuxième et que j'enchaînerai sur la quatrième. Moi, je crois que ce qui est sympa, c'est d'attaquer le cinéma de manière très ludique. Finalement, comme on l'a toujours fait un petit peu en télé. Et moi, j'avais envie de retrouver un peu cet esprit, c'est-à-dire un esprit où il n'y a pas de hiérarchie. C'est un esprit où, en fait, on est tous ensemble. Chacun sait ce qu'il a à faire, mais on est tous attentifs les uns aux autres. La réalisation, c'est un sport d'équipe. C'est un film, c'est un sport d'équipe. Mais en tout cas, je crois qu'il y a toute une génération, en tout cas, qui arrive et qui a faim de faire des films qui n'existent peut-être pas encore en Belgique francophone. Le grand Stanley Kubrick disait que lui, il faisait les films qu'il avait envie d'aller voir au cinéma. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est se dire, à un moment donné, voilà, moi, la Space Boy, c'est le film que j'aimerais bien aller voir au cinéma avec mes gosses. C'est le film que j'aimerais voir avec eux. Donc, c'est celui-là que j'ai envie de faire. Moi, j'espère déjà que le film va me plaire, va plaire aux équipes. Et comme on a des gens qui sont très exigeants dans l'équipe, je pense que si ça plaît à tout le monde, je pense qu'on sera pas mal. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.